Jour 46 sur le chemin de Compostelle. On a dormi dans un... je sais pas trop. Il y avait du soleil. Ça sent pas bon. La pluie. Là, on est réveillé, en fait, il y a un cheval et un âne juste derrière. Donc, en fait, aujourd'hui. On s'est couché, c'était 2h du matin. Mais là, c'est 7h. Bon, ben depuis ce matin, on n'est pas au top. Hein. On est crevé, en fait, on savait pas entre Harou et Ostabat, il n'y a rien à manger, rien, pas de toilette, rien du tout. Donc on a décidé de prendre une petite variante qui rejoint la voie du littoral par Saint-Palais, au-dessus d'Ostabat. On passera au Ostabat demain. Et ouais, ce soir, on va pas dormir dehors. On va dormir dans un gîte. Parce que on a dormi que 4 heures, on s'est fait réveiller par l'orage. Bon, ça ne pleuvait pas, hein. J'ai filmé ce matin. Et... ouais. Et tous les deux cassés en deux. Voilà. Et là, on est en train de passer au-dessus d'une magnifique petite rivière. Yana, elle en peut plus. J'ai sauté avec me. Là, c'est que 13h en fait. On va arriver tôt. On est parti tôt ce matin, mais... là. Aujourd'hui, pas de baignade. Bonjour, bonjour. Jour à 47 sur le chemin de Compostelle entre Genève et Santiago. Là, on est parti. Là, on n'est plus sur le GR65 puisqu'on a fait un petit détour, une petite variante hier par Saint-Palais. Donc, on est sur le GR655 qui c'est la voie de Tours en fait, qui du Camino qui rejoint Saint-Jean-de-Pied-de-Port par l'ouest de la France. Et là, on a un super chemin, super vue. Ça monte sur une petite montagne. Il y a les Pyrénées à gauche. Et on va faire, là il y a 34 km pour aller à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, je crois. On va faire en deux fois, tranquille. Et puis voilà, on s'est bien reposé dans le petit gîte hier soir. Des bons coussins, un bon matelas. C'était parfait. Bon petit déjeuner. Et ce matin, on a acheté pour 16 € de boulangerie. Plein de choses, des sucrés. Yana a pris deux croques, monsieur. Elle a pris tous les croques, monsieur, de la boulangerie. Ah, quelques petites voitures.
Mais aujourd'hui, on prévoit d'aller jusqu'à après Ostabat. Il y a peut-être un Donativo, donc on va voir. Et yeah. Ça fait bizarre de plus être sur le GR65. C'est ouais, on rejoint un peu la voie de ceux qui arrivent par tour. Ça a l'air cool, en tout cas. Cette journée, tout Ostabat, c'est pas petit. Ok, donc là on a fait une petite pause, on a mangé, on était en haut, et il y a beaucoup de pèlerins. On a... Ouais, beaucoup de pèlerins. Et c'était un magnifique où on a mangé, un petit peu plus haut, à côté d'une petite chapelle. Et là on continue la route direction Ostabat sur le GR655. On a bien mangé, il y avait du flan. Du cookie, du croque-monsieur. Et Yana is happy. Because Yana, elle aime le sucre. She's in love with sugar. Yeah. Et là, on commence à prendre un petit chemin qui me rappelle vraiment la Haute-Savoie. Là, on est un petit peu dans la montagne. C'est trop bien. Ça fait plaisir d'être dans la montagne. Et le temps est beau, hein. Tranquilo. Mais c'est cool, là, il y a plein de gens qui étaient là en haut. Pas mal qui dorment dehors. Qui ont l'air de dormir dehors aussi. Voilà, ça approche de la frontière espagnole. De plus en plus de monde. Je sens des plans, mais ça fait bizarre. Parce qu'on était un peu tout seul ces derniers jours. Mais ouais, on a laissé aussi un petit mot dans le journal de la chapelle. J'écris ce que je pensais, on a laissé écrit aussi ce que je pensais. On a fait un petit dessin avec ouais, en souhaitant buen camino à tout le monde. C'était cool, un moment assez sympa. Voilà. Bon allez, direction Ostabat. Ok, là on arrive à Ostabat par un petit chemin qui descend. Donc après on va continuer après Ostabat.
4-5 km, on va voir le Donativo, quoi ça donne. Et puis on verra si c'est pas top ou s'il n'y a pas de place, ben, on continuera. Direction Saint-Jean-de-Pied-de-Port. On a réservé un gîte à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. On peut rester deux nuits, parfait. Juste une chambre où il y a deux lits, donc pas de risque d'avoir des gens qui ronflent. On va pouvoir bien se reposer, faire tout ce qu'on a à faire à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Beaucoup de choses à faire à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Et le chemin là, il est petit chemin avec le petit muret là. And the dark forest. You wanted another horror story? And horror Tiana. Yo yo! Les Pyrénées toujours! Ah là on y est! Vraiment! On est dans les Pyrénées, toujours dans le Pays Basque, on vient de s'arrêter à Lons-sur-Vaux, après Ostabat, pour acheter du fromage d'Istara, petit fromage de brebis. Et là, on a décidé de s'arrêter après au Donativo. Il y a un Donativo, bon, je pense pas qu'il y aura de la place, si on n'a pas appelé. Mais c'est juste pour avoir le tampon pour aujourd'hui. Et puis, on va trouver un petit spot sympa, j'espère, pour ce soir, pour dormir à la Belle Étoile. Avant demain, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, donc. Il nous reste 3h30 de marche pour aller à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. On va les finir demain. Il nous restera quoi, 2h30 je pense demain. On continue à marcher. C'est cool, là on est en plein dans la campagne. Petit chemin tranquille, les montagnes à gauche, les montagnes à droite. Ouais, je leur dis, mais ça fait vraiment plaisir de revoir les montagnes. Et puis voilà, voilà. Allez. Yes. Bon bah là on vient de trouver notre gîte pour ce soir. C'est le premier endroit comme ça que je croise, pas le premier Donativo, mais le premier Donativo où vraiment c'est self-service. Et c'est l'ancien moulin du prieuré hôpital d'Utsiate. Yeah. Et je vais vous montrer avec une petite salle de bain, petit coin d'eau. Yana. 20 minutes to find the wild toilet. Ah, yeah. Maybe here it's better. Yeah, I was probably on a private property. Yeah. Eau potable donc. Et là, montrer l'endroit. C'est super sympa. Et voilà le petit gîte en fait, enfin le petit Donativo, avec une grande tablée. Et Maria. Ouais, il y a tout, hein, pour accrocher son linge. Et des lits superposés. Nous, on va dormir ici ce soir, manger sur cette belle table. Et voilà. On pensait l'avoir passé en fait sur la route et en fait on était bien surpris que ce soit ici. Et c'est bien cool. On est que tous les deux pour l'instant. Puis on va voir s'il y a d'autres pèlerins qui arrivent.
Mais bon, là, il est déjà 19h, donc je pense pas. Et il y a même la guirlande pour Noël. Christmas tree. Yeah. Ah, c'est trop bien, cet endroit. Oh, liquide vaisselle. Fork, spoon. Et donc là, la petite boîte pour Donativo. Bon, on va bien dormir ici. Bon, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. On est trop contents. Allez, on va aller manger là. Et puis se préparer pour un gros dodo. Et il restera 14 km demain à faire pour aller à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Yeah. Happy. Yeah, bonjour, bonjour. Et jour 48 sur le chemin de Compostelle entre Genève et Santiago et plus. Là, on vient de faire 1 km. On est parti de notre petit Donativo. On est toujours dans un décor magnifique, montagne autour de nous. Et on a juste 12-14 km à faire pour Saint-Jean-Pied-de-Port. On a bien dormi, on a pas mal mangé, bien. Et on va faire une bonne pause. Ce matin, on n'a pas trop mangé, par contre. On n'avait pas de petit déjeuner et pas de boulangerie aux alentours. Donc on a dormi ces petits... Bon, c'est un petit patelin Itseya. Là où il y avait le Donativo. Et là, on a revu des gens aussi, des filles qu'on avait vues un petit peu plus tôt dans l'aventure. Et on est un petit peu en hauteur. Montagne là-bas et le soleil. It's beautiful. Ah, il y a des vignes. Allez, direction Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah oui, on a besoin d'un tampon avant Saint-Jean-Pied-de-Port. On va essayer de trouver ça. Yana, elle a un dernier tampon. Après, si elle fait un autre tampon à Saint-Jean-Pied-de-Port, ça fait sa créanciale. Elle peut tourner une autre page. Et en fait, c'est partie française sur toute une page et partie espagnole sur l'autre page. Donc, c'est chouette. Donc, on va essayer de trouver ça. Avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. La rivière, normalement, elle passe à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, cette rivière. Et là, on est à on est à 1 km de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, un petit peu plus. On arrive. Ça y est. Nous sommes à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. On est
passé par la porte de Saint-Jacques juste avant. J'ai pas filmé parce que voilà, j'ai pas envie. Et. What do you think? You're proud of you. Yeah. Yeah. Nice. Et voilà, on est partie française. Terminé. Ah, j'aime pas dire que c'est terminé, mais. Non. Bon, allez. Bonjour, bonjour. Pas de vidéo aujourd'hui parce que day off. Now we spend a lot of money in shop, in food. Especially you. Because of her. No. Yeah, but Saint-Jean-Pied-de-Port est magnifique. Oh yeah, 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 yeah. On a bien pu profiter et ouais. Enfin, moi j'aime bien. Parce que Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est super cool, à part les gamins qui pleurent. Mais bon, c'est parti. Yeah. Là, on est sur le pont qui est juste après l'église. Et là, on va aller manger. On a mangé restaurant ce midi, restaurant hier, et c'est restaurant ce soir. On a mangé plein de choses. Chocolat, macarons, gâteau basque, galettes, crêpes, ice cream. Non, ice cream. Not, non. Et c'était hier, ice cream. C'était hier. Mais bon. Ah donc, c'est l'église de Saint-Jean-Pied-de-Port. Yeah. Yeah, magnifique. Là, dernièrement, en fait, c'est le restaurant où on a mangé deux fois, où les crêpes sont très bonnes. Ouais. Ici, c'était l'endroit vraiment où on se sentait bien. Juste au pied de l'église. Et le petit restaurant là. Il y avait souvent un gars qui jouait de la guitare, juste ici. Et le pont, juste après. Et on a mangé le gâteau basque sur ces escaliers. Yeah. Et nous, je crois, on va aller monter, remonter la rue pour aller manger un petit resto qu'on a vu, qui a l'air sympa. Et voilà, voilà. Yana is eating too much. It's 11, we at a restaurant and a lot of things and she's still eating. An almond energy bar for sport. What? Yeah, it's for sport. And tomorrow she will eat mine.
Addiction. Addicted to sugar. It's horrible. I try to help her, but. But instead you're becoming a sugar addicted too. Yeah, it's dangerous to stay with Zara too much time. I will become a candy. She will become a gaufre. This is our jit. But someone stole the TV. Hello, c'est notre chambre.